Les prix où les biens haut de gamme sont les plus élevés au monde, eh bien on va étudier dans cette vidéo les prix au mètre carré en allant du plus haut au plus bas dans certaines capitales internationales. Et vous allez voir que si vous disposez d'un million de dollars US, soit l'équivalent de 945 000 euros à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, vous allez voir combien de mètres carrés vous pourriez vous offrir si vous décidiez d'investir un million à l'étranger. Bonjour, ici Romain Armato, je suis PDG de Life Invest. Et si vous voulez développer votre résilience financière en investissant dans l'immobilier, mais pas n'importe où, eh bien, je vous invite à aller sur www.lifeinvest.eu. Allez, c'est parti, on saute sur mon écran en live de notre bureau temporaire du Mexique, toujours sur un format de carte mentale filmée. C'est parti. Alors, on récupère les infos de Statista, qui eux-mêmes ont récupéré les informations de Knight Frank. D'accord? Et c'est basé sur des taux d'échange qui sont calculés en date du 30 décembre 2022. On passe directement sur cette infographie. On s'aperçoit que en première position, c'est Monaco. Monaco qui, pour 1 million de dollars en moyenne, vous offre 17 mètres carrés. Alors, disclaimer, hein, bien sûr, c'est une moyenne. Ça inclut le beau, le moche, le à refaire. Mais on se concentre sur des propriétés haut de gamme. En seconde position, pas surprenant, Hong Kong 21 mètres carrés, ensuite suivi par New York 33 mètres carrés, Singapour et Londres sont ex-aequo avec 34 mètres carrés, Genève avec 37 mètres carrés, Los Angeles 39 mètres carrés, Paris 43 mètres carrés, Shanghai 44 mètres carrés, une ville de tier 1 chinoise qui a connu une explosion, qui a doublé ses prix en quelques années, je crois, en 2016, d'où l'importance d'investir là où c'est en boom. J'aime bien dire souvent que lorsque c'est la crise quelque part, c'est le boom économique ailleurs. On s'aperçoit que dans certaines villes de tiers-un en Chine, eh bien, les prix au mètre carré sont devenus très élevés. Suivi de Sydney à 44 mètres carrés, Beijing 58 mètres carrés. On s'aperçoit toujours que le prix au mètre carré est très élevé là, dans ce pays. Ce qui fait directement sens avec les clients qu'on accompagnait entre 2013 et 2017, chinois de Chine continentale, qui cherchaient à diversifier sur le plan géographique pour des raisons d'immigration, de diversification, de rendement, de style de vie, et aussi pour accéder à des prix d'immobilier plus accessibles. Suivi par Tokyo, 60 mètres carrés, Miami, 64, Berlin, 70, Melbourne, 87, Dubaï, 105 mètres carrés, Madrid, 106 mètres carrés, Mumbai en Inde, 113 mètres carrés, suivi par l'Afrique du Sud, Cape Town, 218 mètres carrés, et Sao Paulo, 231 mètres carrés. En gros, si tu souhaites et disposes d'un million à investir à l'étranger, tu vas pas aller bien loin avec Monaco, avec 17 mètres carrés en moyenne. Et Hong Kong non plus, New York non plus, Genève, Paris, Singapour, Londres, Los Angeles, Shanghai étant dans le top des destinations les plus élevées. On va faire une petite mention honorable et comparer avec le marché dans lequel on investit activement en ce moment, qui est la Lettonie. Bien sûr, hein, c'est pas forcément comparable étant donné que c'est un petit pays balte. Toutefois, par transparence, c'est ici qu'on investit, donc on va en parler. On s'aperçoit, selon le rapport d'Oberhaus, que les prix pour les biens haut de gamme dans le centre du pays, de la capitale, soit Riga, oscillent entre 5 000 et 7 000 euros du mètre carré. Et je vous montrer ce qu'on peut s'offrir, notamment sur City24.lv, dans ces gammes de prix. Et on peut s'apercevoir que ce sont des biens de haut confort, dans une ville d'avenir au sein de l'Union européenne, pour différentes raisons dont je parle sur la chaîne. Je t'invite à regarder les vidéos en intégralité si le sujet de la diversification, de l'investissement, de la résilience financière te parle. Tu vois, on a ici 220 mètres carrés pour 5 pièces avec une terrasse. On est sur quelque chose d'assez joli, moderne. On peut trouver de l'ancien également, avec du cachet historique, comme cet appartement de 193 mètres carrés avec moulure, parquet, on dirait presque du Versailles.
de nouveau dans le centre de Riga, mise en avant par Sotheby's, chandeliers, cheminées, en excellent état, confortable, c'est chic, c'est beau. On apprécie. Encore cet exemple-ci. 146 mètres carrés, 970 000 euros. Là, on a complètement accès à un spa. Donc, avec jacuzzi, hammam. C'est canon. Dans le Old Town de Riga. Donc, petite ville médiévale, pavée. Absolument fantastique. Je vous recommande d'y aller. D'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé dans les Pays-Baltes, c'est à faire. C'est le calme, l'environnement sécurisant et le confort que peuvent proposer certains établissements en termes de services pour les expatriés, particulièrement en Lettonie. Raison pour laquelle nous allons nous installer en Lettonie et développons le marché letton. C'est vivement recommandé. C'est très chaleureux, il y a un côté historique très charmant, et puis c'est stratégiquement situé au sein de l'Union européenne, donc à développer. En comparaison avec l'Estonie, marché dans lequel on a investi et avons profité de la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Union européenne ces 10 dernières années, suivie d'ailleurs étroitement par la Lettonie, là on peut s'offrir 92 mètres carrés, près de 100 mètres carrés, 3 pièces, 2 chambres, pour 990 000. C'est ce que je dis d'ailleurs régulièrement, c'est que les prix de l'immobilier à Tallinn, Estonie, pays voisin de la Lettonie, sont bien plus élevés, donc il faut déployer davantage de capital pour s'offrir un bien de qualité similaire. Là, on est sur un 10 600 euros du mètre carré, étant propriétaire là-bas, j'apprécie la hausse fulgurante des prix. Maintenant, puisque c'est devenu pour un profil différent, on se tourne vers le marché de la Lettonie, étant donné que les prix d'entrée sont moins élevés, que les rentabilités locatives sont bien meilleures, et que selon moi, le potentiel d'avenir est plus stable, le potentiel de retour sur investissement est plus sécurisé dans ce pays, pour différentes raisons que j'aborde sur la chaîne également. Et on peut s'apercevoir qu'il y a quand même de belles choses pour s'offrir un pied-à-terre en dehors de son pays d'origine et de surcroît non loin de la France, de la Belgique, puisqu'on est à 3-4 heures d'avion, ce qui permet d'avoir une carte à jouer. Et là, on a une autre possibilité pour 990 000 euros, 7195 euros du mètre carré. Là, c'est dans le centre de Tallinn, 137 mètres carrés, 4 chambres, 5 pièces, avec vue. Tout joli, commercialisé par Christie's International Real Estate. C'est beau, on apprécie. On a vu ensemble là, quelles sont les destinations les plus onéreuse dans le cadre de Trophy Property, dans le cadre de propriété de luxe à l'étranger, avec une possibilité d'Estonie et de Lettonie qui valent le coup d'être mentionnées pour s'offrir du mètre carré à un style de vie confortable et pour voir ce qu'on met en place personnellement chez Life Invest et amorcer eh bien, ta résilience financière en investissant dans un premier, dans deux biens immobiliers à l'étranger sans casser la banque. Donc, tu peux aller sur www.lifeinvest/invest et tu vas avoir accès à nos dernières offres d'investissement clés en main. J'espère que cette vidéo t'inspire. Fais-le moi savoir en commentaire où est-ce que tu investis, où est-ce que tu comptes investir, dans quel pays précisément. Partage cette vidéo à un ami que ça pourrait aider. Et on se retrouve dans la prochaine pour la suite des festivités.